Dans l'épisode précédent. C'est un peu plus gros. On va pouvoir booster un peu plus. Dans l'épisode de maintenant. Salut les petits croutons. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo vlog. On a encore un nouveau projet. Vous avez peut-être déjà vu les projets de la chaîne avec la Twingo et la Super 5. Encore un nouveau projet. Ça n'en finit pas. Et du coup, je vais rejoindre Thomas. Vous allez voir ce qu'on va faire, hein, le nouveau projet, la nouvelle voiture. T'es en retard. Ouais, je sais, je suis désolé. Oh, le gars, j'arrive à moi, lui. Heureusement qu'elle est autre. Non, heureusement, c'est un 4x4 ta voiture. Oh la vache! On est pas loin. C'est Arthur là-bas? Je vois au loin. Oui. Et oui, on dirait Arthur. Quel bolide. Waouh. Quelle belle Alfa Romeo. Yo. Oh ouais, gros malaise. Voilà, petit crouton. Le prochain projet. Vous voyez cette caisse? C'est pas du tout le projet. Mais on a besoin d'elle. Pour le projet, le vrai. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Je pense que ça va être beau. Ouais. Celle-là, malheureusement, bah, c'est sacrifié pour l'autre. Attends, on t'entend peut-être pas avec le vent. Ah. Parce qu'on a pas de micro, nous. Ah bah oui, on est pas. Et ouais. Regardez, bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Voilà, c'est une Ford Escort 1.4 litre. Option pare-choc cassé. Et rouille. Regardez. Waouh. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Non, ce sera pas un projet Sierra. Bon, elle est ouverte? Oui, elle est ouverte! Regardez, on a récupéré une nouvelle épave. Oh. Regardez-moi ce moteur, il a l'air tout propre. Ouais. Mais c'est faux. 1.4 litre CDH. Des beaux trucs. High performance. Voilà. Il y a Thomas, il fait les papiers. Après, on va au garage. Et puis, on vous montre le reste. Tout à l'heure. Arrivé. Ça va être full plus avec. Vas-y Thomas. Toi, c'est la clé. Toi c'est vers C2. Mais pas monter la clé, les gens ils vont venir après. Oui, c'est vrai. Hop, ouvre la porte. On vous dit pas où c'est, hein. Alors voilà. Ah, il faut pas que je vous montre ça, on va flouter au montage. Non. Le garage, le nouveau garage du pro avec la Twingo Swap, vous aurez des nouvelles bientôt. Alors voici le nouveau projet du crew. De Thomas surtout. J'ai aspiré, j'ai enlevé l'eau. Attends, on va voir le toit. Maintenant. C'est confort, hein. Et
ça va quand à l'intérieur. Les sièges, ils ont commencé à sécher, tu vois. Ouais. Ils sont plus trempés. J'ai aspiré pas ces derniers coups. Alors Thomas, parle-nous de ce projet. C'est un projet qui commence avec un aspirateur. Oui. Donc voilà. Alors, voici la, l'escorte à maman, la maman de Arthur, enchantée maman. Et ce que j'ai compris, elle a dormi 15 ans dehors. 15 ans dehors, ouais. Sous un arbre. Sous deux arbres. Avec la capote qui était craquée. Sans capote. Bah si, mais des gros trous. Voilà. Du coup, il a dit ah, ouais, t'as la ferraille. Du coup, je fais attends, fais voir. Et puis j'ai vu, je fais ah, c'est sympa. Et voilà. Du coup, bah, on va la refaire. Voilà, donc voilà, comme vous pouvez le voir, la voiture elle est pas en super super bon état, hein. Ça fait longtemps qu'elle est immobilisée. Et Thomas il se lance dans un projet rénovation d'une Ford Escort XR3i. Préparation. Alors, nous allons réaliser le bloc, ensuite mettre des pistons forgés bombés, arbre à cam, on enlève l'injection, c'est une injection de merde. Et on met 4 carbus ou un quad core, je sais pas, on verra. Et ouais, road to the horse power, tu vois. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a été chercher cette Ford Escort là-bas. Qu'est-ce que tu vas reprendre l'escorte là. Pour celle-ci. Voilà. Qui est en moins bon état du coup. Voilà, parce que comme on le voit là, bah, c'est plus une passoire, c'est un trou noir. Donc le but, ça va être de démonter les ailes, bien découper toute la traverse, la façade de l'autre, bien la souder là-dessus. Voilà. Faire toute la rouille et puis y a pas une histoire de carbu aussi sur celle-là. Si, bah là, comme c'est une injection, c'est pas le même faisceau que les carbus, du coup on a récupéré celle-là. Pour remettre le passage en carbu. Voilà. Donc vous aurez des nouvelles, on va peut-être en faire une série ou quoi, je sais pas. On verra si Alan a le courage de venir filmer. Donc vous êtes au courant maintenant, le prochain nouveau projet du crew de Thomas, de se faire un daily sale. Daily sale. Voilà, un cabriolet. Voilà, pour les pécho de la minette. Ah bon. Il y a de la rouille vraiment partout. Hein. Ah ouais. Après, au niveau du plancher, tout ça, ça va? Je sais pas. J'ai pas encore demandé. Bah, ça avait l'air d'année. Ouais, ça avait l'air. Hein. Après, tu sais, on serait très paraître, telle est la question. Ouais. Je connais le problème. Hein. Bout de fil. Ouais, ça va faire. Bon. Un mot d'autre. C'est plastique. Ah. Il dénude un câble pour voir s'il y a du jus qui va dans la voiture ou pas. Parce que sinon c'est embêtant. Ah, il y a un sale impact quand même, c'est bon. Ce que qu'on achète évidemment. Oui, qu'on achète, on voit pas au Ricodépôt. Non. Non, nous on est honnête. On est réglo, on est dans la loi. Dans la loi, l'égalité, moi je connais. Ouais, Inch'Allah, si ça marche, on va faire ce moteur avec l'autre ou pas. Hein. Hop, le Neyman. Bande plus du Neyman. Attention Lucas, ça va aller? Ouais. Putain, j'ai peur. Bouge-toi l'araignée. Bon, allez. On va tricher. Bah, ça a l'air de marcher. Moteur non bloqué. Ah, c'est bien, ça. Alors content? Très content. Et moi ce que je propose c'est on remonte l'injection vite fait et on voit celle tous. Vas-y. Chaud, allez. Chaud. Vas-y. Allez chaud. Un gadget. Alors maintenant pas comment ça fonctionne, j'ai rien compris. Donc ça c'est l'injecteur. C'est... Non, l'injection. L'injection. Genre c'est le calculateur d'injection, sauf qu'il calcule pas. Et il vise de richesse et tout dessus. Hein. Il est mécanique ah ouais. Quoi. Ouais, c'est un truc de fou, hein, mais bon, on voit pas. On va essayer de le rejeter là-dessus, on va voir ce que ça donne. Talk.
Vas-y, essaye. Non. Il doit avoir un problème de masse sur le. Il y a un défi qui a dû bouger. Non. Attends, je vais essayer de bien mettre les pinces. Allez, test numéro 3, on réessaye. Encore. Plus. Oh, petit démarrage. Vas-y. On va tricher, on va essayer là. On va bypasser l'injection, mon copain. On va essayer direct. Mettons enfin. Faut leur expliquer. Qu'est-ce que, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça marche? Faudra que tu... Et en même temps tu... Ok, ok. Hey, vas-y, on continue, on va essayer. T'es prêt? Ouais, go. En gros, tu les fais enfin à fond. À fond. Ouais. Allez, appuie, nettoie enfin. Tiens, tu vas faire le fil et la clé. Je vais essayer de la faire pousser plus fort. Ah, elle a du mal. Vas-y, redémarre, essaye. Alors, ça fonctionne? T'es content? Ah, c'est délire. Tu l'as pu l'avoir? Ouais, bah attends, mec, il a, il doit avoir des années de milliers d'araignées maintenant. Oh, on va réussir à faire quelque chose, je suis content. Donc ça marche. Ouais, mais j'ai tant voilà. Ça fonctionne. Ça démarre, ça fonctionne. Thomas est plutôt content, il est satisfait de son projet. Donc voilà, donc pour la suite, et bah, on vous revoit à la prochaine étape, c'est quoi? Peut-être la Twingo dans la prochaine étape. La Twingo. Ouais, il y a la Twingo. La Twingo, bon, elle est un peu immobilisée pour l'instant, on vous expliquera pourquoi, on vous fera une petite vidéo sur ce qui s'est passé et ce qu'on fera pour la réparer. Ouais. Pour l'escorte, on verra qu'est-ce qu'il y a à faire, temps, hein, on va la nettoyer, tout ça. Ouais, beaucoup de travail, donc on verra. On a beaucoup de boulot à faire dessus. Et on vous filmera peut-être tout ça. Donc voilà, à la prochaine et. Bisous. Ouais. Salut. Bisous à tous.